Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 15 avril au dimanche 21 avril 2024 pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je rappelle que c'est une guidance générale, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. N'hésitez pas également à la fin de la vidéo à aller visionner si vous le souhaitez, hein, votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous permettre d'avoir d'autres messages ou de venir confirmer la guidance que je vais effectuer. Allez, on est parti avec l'énergie générale de cette semaine, donc pour les Vierges. Hop là, oh bah. Oh bah alors là, elle a volé. Oh punaise, attendez, il faut que je la ramasse. C'est rapide, rapide, rapide. On a le 6 de l'action. Ben là, côté action, on y va, les Vierges. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance. Qu'est-ce que c'est ça? Ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. D'accord? Donc là, on a vraiment quelque chose qui se met en action pour vous cette semaine, hein, que ça soit une récompense, que ça soit un projet. En tout cas, on vous félicite, hein. Ça peut être une promotion également, une évolution sur dans le domaine professionnel, mais ça peut être également une personne qui va vous être mise sur la route, d'accord, hein. On vous dit, si on vous propose son aide, ne la refusez pas. Ne refusez pas l'aide des personnes qui peuvent vous entourer. Allez, on fait la guidance. Et pour certains, ça sera une aide venue de là-haut. D'accord, hein? N'hésitez pas à observer les signes que vous pouvez rencontrer pour vous mettre sur le bon chemin. Hein? On n'oublie pas que nos défunts, hein, ils sont toujours là, que ce soit vos croyances, peu importe. Mais on n'oublie pas que ce soit Dieu ou vos défunts, hein, que vous soyez croyant ou pas croyant. Nous sommes toujours guidés. Alors prêtez attention aux signes. Ça peut vous aider à vous montrer si vous êtes sur le bon chemin. Alors, on nous parle du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Hein, on arrête d'être dans le mental et on passe à l'action. On met les choses en action. Hein, on a créé son film, on a créé son rêve et tout dans la tête. Maintenant, tout ce qu'on te dit, c'est de passer à l'action. D'accord? De mettre les choses, de les créer dans la matière. Dans tous les cas, de toute manière, vous allez être poussé, hein, à créer les choses dans la matière. Et arrêter de réfléchir, de savoir le pourquoi du comment. Là, c'est vraiment, on y va, on actionne. Alors, on nous parle du grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Hein, vous allez avoir des épreuves sur votre chemin cette semaine pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de comprendre certaines situations que vous avez pu vivre ou que vous êtes encore en train de vivre. Hein, tu vois, on voit le papillon qui sort de son cocon, d'accord? Un lâche-nid qui devient papillon. Donc, c'est vraiment une belle transformation. On voit que tu vois, ce que tu as créé dans ta tête, hein, ce à quoi tu pensais, que ce soit un projet professionnel, un projet personnel, peu importe, tu viens cette semaine le créer dans la matière, d'accord? Ça peut passer par des prises de conscience, par des prises d'action, peu importe, mais voilà. Tu vas être poussé, tu vas être aidé cette semaine, tu vois, pour justement pouvoir passer à l'action. On te parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant ou bienveillante à votre égard et les autres en feront de même. Hein, plus tu viendras te respecter, plus tu viendras t'apporter de l'amour, hein, c'est ce que tu récolteras d'autrui. D'accord? Mais c'est également valable dans l'autre sens. Hein. Plus tu apporteras une parole impeccable, hein, on fait partie des quatre accords Toltec, hein, plus ta parole est impeccable, plus tu récolteras le respect, la bienveillance et l'amour. D'accord? Donc attention à la parole que tu peux avoir à l'égard d'autres personnes, mais également à l'égard de toi-même. D'accord? Et là, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ok, hein, on a un mental qui est présent.
On a un mental qui est présent. Là, chez les vierges, tu vois qu'il faut vraiment venir lâcher. Donc, cette transformation, elle peut très bien venir de là. Hein, c'est vraiment transmuter ses pensées négatives en pensées positives. Sortir de ce schéma toxique, de cette manipulation. D'accord? Là, on a la manipulation mentale, mais là, tu vois, on a la parole. Donc, attention à tes pensées, hein, à ce que tu penses, puisque là, on voit bien que tu vas créer quelque chose. Ce que tu penses, tu le crées dans la matière. D'accord? Donc, si tu as peur de quelque chose et que tu penses négativement, forcément, tu vas le créer négativement dans la matière. Ok? Donc, attention à ce côté mental qui peut venir te déstabiliser pour justement t'empêcher de passer à l'action et de venir réaliser tes rêves. Ça serait dommage, hein? N'oublie pas qu'on ne laisse pas son mental diriger sa vie, mais plutôt son cœur. Et c'est comme ça que tu apporteras la transformation à l'extérieur. N'oublie pas que le changement, il vient à l'intérieur de toi. Il vient pas de l'extérieur, ni des personnes, ni des situations. Le changement, il vient de l'intérieur de toi. Que ça soit une parole impeccable, des pensées impeccables, des pensées positives, hein, tout ça, c'est ce que tu viens travailler à l'intérieur de toi. Tu vois, on a la maison, alors ça va être ton âme, tu vois, la maison c'est ton intérieur, c'est ce que je viens de te dire, ton intérieur, de venir prendre soin, tu vois, de ça, d'être dans la bienveillance, le respect de toi-même, et on te le dit, hein, vous vivez des moments de plénitude, c'est-à-dire que là, pour certains, vous allez être à la maison, vous allez être bien, d'accord, bien, ça peut parler également de projets dans le domaine du foyer, d'accord, que ça soit professionnel ou personnel, peu importe, il y a une transformation au sein du foyer. On a la carte du temps, hein, une transformation qui a mis du temps, d'accord, ça peut être une prise de conscience, une façon de changer, tu vois, ton schéma, ta façon de voir une situation, ta façon de communiquer, ta façon de voir les choses, d'accord. On voit que voilà, hein, je t'ai dit, hein, n'oublie pas que c'est à l'intérieur de toi que les choses commencent. C'est quand toi tu commences à les changer à l'intérieur de toi que ça changera à l'extérieur, d'accord. Alors certes, ça a mis du temps cette transformation, mais on y est, d'accord. Je te l'ai dit, cette semaine, t'es poussé justement, voilà, t'es poussé à prendre des décisions, t'es poussé à te positionner, à faire des choix, hein, à aller. Alors c'est possible que t'aies plusieurs possibilités, que t'aies plusieurs demandes de travail, que t'aies plusieurs propositions, que t'aies plusieurs projets, peu importe, mais voilà, positionne-toi sur un, d'accord. À partir du moment où tu ne te positionnes pas, ça veut dire que tu ne pourras pas passer à l'action, d'accord. Prends des décisions, fais tes choix, positionne-toi et passe à l'action. Ne te laisse pas déstabiliser par un mental ou par des paroles qui pourraient venir t'empêcher et louper des opportunités. Ah ben regarde, tu vois, en dos de deck, on a la fécondité, d'accord. Alors pour certains, ça peut nous parler, voilà, de devenir parent, hein, de mettre des choses en place par rapport à la construction d'une famille, par rapport à la construction d'un projet, peu importe, tu vois, mais on a ce côté maternant, tu vois, comme une maman prend soin de son enfant. Mais moi, là, c'est vraiment ce que je viens de te dire, c'est de prendre soin de toi. N'oublie pas que tu es la personne, la première personne avec laquelle tu vis, avec laquelle tu te lèves tous les jours. Donc, à partir du moment où tu es bien avec toi-même, tu seras bien avec tout ce qui t'entoure. Allez, on prend un petit message des anges. Et on a la vision, une attitude, décidément la vision, la parole, il manque plus que l'écoute, soit l'écoute de toi-même. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Hein, je te le répète, tout vient de l'intérieur de toi et non de l'extérieur et des personnes qui t'entourent. D'accord, hein. Si tu veux recevoir de l'amour, commence par t'apporter de l'amour et par apporter de l'amour à toi-même et à autrui et autour de toi. D'accord, hein. On te l'a dit, ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. D'accord, ne te laisse pas diriger par un mental négatif, par des pensées, par une parole. D'accord, ça pourrait en fait te permettre de mal voir la situation, à tellement être dans le négatif, du coup tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, d'accord. Change ta façon de penser, change ta façon de communiquer, change ta façon de voir les choses, que ça soit sur une situation, sur un projet ou sur une personne, peu importe, mais voilà, mets-y de l'amour, du respect et de la bienveillance et tu verras
que les choses seront différentes. Allez, on prend un message de ton cœur. Et on nous parle d'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflamment secrètement ton cœur. Hein, tu vois, là, on a un éveil sentimental, un éveil spirituel. Il y a une prise de conscience, tu vois. Il y a quelque chose qui vient... tu vois, on est beaucoup... dans le fait de venir transformer, tu vois, avec ce papillon-là, on a une transformation des énergies ou des pensées ou une façon de faire négative en positivité. Pourquoi? Parce que on va plutôt dire, tu vois, que tu es redescendu dans ton cœur, là. Donc, c'est comme ça que tu peux te permettre de démarrer de nouveaux projets. Hein, c'est ce qui vient faire aussi élever ta confiance et élever ta foi. Alors, on va prendre une carte de manifestation. Là. Alors, on te dit, le monde a soif de ton bonheur, une existence imprégnée de souffrance ou de malheur, sans possibilité de réaliser tes aspirations les plus profondes, ne nourrit pas l'âme du monde. Alors que ton bonheur, ton abondance et ton engagement à vivre pleinement illuminent le monde entier. Hein, accepte de vivre ton bonheur, d'accord? On te dit, hein, une existence imprégnée de souffrance, là j'ai envie de te dire, ne subis pas ta vie et vis ta vie. D'accord, hein. Arrête de rester, tu vois, dans la souffrance et dans le malheur et permets-toi, tu vois, plus tu vibreras une émotion de souffrance, de malheur, de mauvaises paroles, des pensées négatives, plus tu le créeras dans la réalité. D'accord? Vibre, tu vois, l'abondance, vibre le bonheur, vibre l'amour, vibre la vie pleinement, tu vois. Vis, en fait, vis pour que tu puisses attirer à toi tout ce qui va se présenter. D'accord? Voilà, mes amis les vierges. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce sur la vidéo pour me remercier du travail effectué. N'hésitez pas également, si vous le souhaitez, à aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous envoie de très belles énergies et je vous dis à très vite. Bye bye.